Bonjour à tous les amis, c'est Spraman Co. On se retrouve aujourd'hui pour un peu de colis en héliotrope. Donc ça c'est une vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps, mais elle était pas mal, c'est toujours le même système un peu de colis rush que le dernier que j'ai fait. Donc c'est un colis qui va se faire, disons la partie principale du colis va se faire dans les quelques minutes début de combat, puisque c'est là que les premiers tours, je veux dire, c'est là qu'on va vraiment dégommer un perso, je vous le dis déjà. Donc là, ça fonctionne énormément sur le principe du focus. Donc cette vidéo, je l'ai filmée il y a pas mal de temps. Donc si je la redécouvre presque un peu avec vous, puisque je commente en différé. D'ailleurs, je fais un peu moins de vidéos ces temps-ci, ces quelques jours, juste parce que je suis en vacances. Et donc c'est pas toujours très pratique, car je vais faire du ski. Et j'ai pas de wifi, enfin, j'ai du wifi pas très pratique. Bref, c'est pas optimal. Alors quoi qu'il en soit, ici on se retrouve avec donc mon Helio, un Sacri et un Yop, toujours la même compo, donc d'abord Sacri qui joue, ensuite Helio et pour finir le Yop. De cette façon, le Sacri passe déjà le premier tour, comme ça le tour d'après il pourra faire la coop. Moi le premier tour je pose deux portails proches de mon équipe, ensuite le Yop il se booste, le tour d'après le Sacri coop, je pose deux portails et je frappe, puis le Yop frappe et fini. Le perso ciblé, dans l'optimum, si on réussit bien le focus. Donc c'est quelque chose qui marche franchement assez bien. Je suis très content, franchement, si vous essayez ça, vous réussissez bien. Je peux vous assurer que c'est franchement fun. Bon, je crois en début de combat, ils vont pas mal me focus. Oui, je crois qu'ils vont faire ça. Ils ont quand même une team pas mal pour dommages à distance, à travers les obstacles et tout. Nous, c'est plus une team... un peu plus cac quand même avec transpo et tout. Bref, ici le moins 2 PM c'est un peu chiant. Je pose deux portails en défense. Accessoirement, je voulais vous dire maintenant, je pense que je vais faire quelques vidéos également, pas que sur le Sadida et sur l'héliotrope comme je fais actuellement. J'ai également pensé à tester par exemple un Xelorter. J'ai vu un ami pardon, qui jouait un Xelorter également. Il le jouait, il était 199, mais il mettait quand même. Il avait failli gagner contre mon héliotrope. C'est assez étonnant, alors que j'avais 30% terre en plus. Donc on jouait sans les boucliers. Il m'avait mis franchement très low life. Bon, quand même, j'ai gagné à chaque fois, chaque combat. Mais il mettait des gros dommages, malgré le fait qu'il soit 199. Et avec des rayons obscurs, qui frappaient il frappait du combien? Il frappait environ du 800 sur mes 30%. C'était assez cheaté. Donc le Xelorter, ça a l'air assez marrant. Le principe c'est de mettre le téléfrag et ensuite de frapper avec un rayon, ce qui va multiplier par 2 les dommages du rayon obscur, en mettant facilement plus de 1000 dommages pour un Xelorter, ce qui est assez cheaté. Donc ça c'est un peu le principe, je pense que je vais tester. Je vais tester Xelor, je vais peut-être tester SRAM, j'ai toujours un peu voulu savoir comment jouer un SRAM. Également peut-être un roublard, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne bien les roublards, je ne m'y connais pas trop. C'est des races assez sympathiques avec pas mal de gameplay relativement compliqué, donc je pense que je vais les tester, je vais peut-être faire quelques vidéos là-dessus. Là, je vais également sortir bientôt un colis en Sadida que j'ai fait il y a un petit moment. Je trouve franchement le Sadi, c'est moins fun à jouer en colis qu'en 1v1. On a bien meilleur contrôle seul en 1v1. Qu'en colis, c'est un peu plus chaud de placer son contrôle. Je dis contrôle du terrain, car en général, c'est beaucoup plus rush pendant les colis. Alors là, ça va être le tour où justement le Sacri va transpo les Kaflip. Voilà, ici il frappe un peu. On va voir ça. Oh, il frappe quand même. Il frappe pas trop mal. J'ai pas vu s'il avait une roulette qui le boostait. Mais des dommages quand même corrects. Mais là, le truc, c'est qu'il a largement la zone pour la coop. Donc ça va passer sans trop de problèmes. Je lui ai dit de le mettre juste derrière l'obstacle pour éviter que le crabe puisse faire une flèche de 10p, je crois. Je sais plus exactement. C'est possible. De toute façon, le crabe va pas penser à le pousser. Alors, on va voir comment ça se fait ce tour. Voilà, il va là, il coop. Je sais plus exactement pourquoi je l'avais demandé ici particulièrement. En tout cas, ça passe bien. Comme ça, il peut tuer encore le chaton. Et les Kaflip, pour l'instant, il est full life. Je crois qu'il a quand même
des résistances pas trop mal. Est-ce que je repasse la souris dessus? Non, là je repasse pas, je sais pas. Donc pour l'instant, il est encore à full point de vie avec. J'ai pas trop vu les résistances du coup. Moi je vais passer mes deux portails. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Alors, où est le SRAM? Le SRAM, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, s'il met un portail au mauvais endroit, un piège au mauvais endroit, ça peut faire assez chier. Donc, par exemple, si j'étais à la place du SRAM, je pense que j'aurais mis un piège à côté de l'Ekaflip. Exactement la case à côté, peut-être. Je sais pas trop. Parce que vraiment, lorsqu'on joue contre ce compo, contre un Heliotrope, il faut, entre le tour où le Sacricorp et le tour où le Yob joue, il faut absolument pousser le perso qui a été transpo. Sinon, il se fait juste dégommer, il est mort. C'est vite vu. Ici, du coup, je mets un portail à son cac. Je m'éloigne un peu. Je mets un deuxième portail, voilà, pour que ça redirige bien. Comme ça, je suis sûr que ça va bien rediriger. Et du coup, je frappe trois fois. Avec deux points fulgurants et une affliction. Voilà, donc ici, je lui mets déjà pas mal de dégâts. 1400 et quelques. Non, 1700, 1800 dommages environ. Le Doppel. Qui frappe relativement pas mal, je crois qu'il y a peut-être un boost quand même au niveau des dommages, je suis pas sûr. Là par exemple, ce qu'il aurait dû faire, je pense, c'est pousser les Ekaflip, sans aucun doute. Il aurait dû faire une flèche dispersion, une flèche de recul sans doute. Une flèche de recul, ça aurait été pas trop mal. Vraiment, je pense qu'il aurait dû faire une flèche de recul sur ce coup-là. Comme ça, les Ekaflip seraient passés dans le portail et il serait revenu sur une autre case. Ah, quoique, je pense pas que ça aurait fonctionné. Il serait effectivement passé par le portail, mais ça aurait pas été suffisant. Non, ça aurait pas été suffisant, car le Yop aurait eu faire qu'à souffle, et ensuite il aurait pu frapper sans problème. Bon, quoi qu'il en soit, il me met quand même assez low life, comme vous pouvez le voir, je suis plus qu'à 1400 points de vie. C'est relativement embêtant, voilà, lui il met la coco, gros gros dommage, hein, la coco qui est pas au premier tour de coco. Ça frappe bien vraiment cette compo, elle est cheat, et ensuite on enchaîne directement sur les persos restants. Voilà, bon moi je suis assez low life, faut qu'on fasse gaffe avec le SRAM qui éventuellement pourra peut-être se rendre visible et me tuer, mais je pense pas trop. Surtout que là le Cry m'a frappé fort. Principalement parce qu'il était haut. Je pense pas que j'ai trop de risques. Voilà, bon, lui, de toute façon, il me sacrifie, voilà, comme ça, c'est réglé. Et moi, je vais me soigner un peu au portail. Ah, tiens, il l'a eu à la furie. On voit d'ailleurs qu'il a pas monté la furie, c'est un peu con. Il a d'ailleurs oublié également la douleur partagée. Il a oublié pas mal de choses, ce petit sacré. Faut dire qu'il joue pas sacré normalement. C'est pour ça, je précise. D'ailleurs, je me suis dit que je pourrais peut-être faire, au prochain concours de Mister Ankama, essayer d'élire le perso le plus moche possible, en montrant que ce concours est assez stupide parce qu'il suffit juste d'avoir des personnes, d'être connues pour avoir des votes. Donc, je me demandais si je voulais essayer, mais je pense que j'ai encore pas vraiment assez d'abonnés pour tenter ça. Mais c'est un truc qui est tout à fait possible en faisant un perso vraiment moche et en le faisant élire Mister Ankama, ça montrerait bien à quel point ce concours est assez stupide, d'après moi. Puisque c'est essentiellement les amis et ce genre de choses qui vont permettre de gagner. Bon, bref, ça c'est un petit point à part. Ici, je vais me heal un petit peu. Lui, il allait à portail, je me suis dit. Ouais, je vais me heal un peu. Oh, je me suis pris un petit piège. Ça fait pas grand-chose. Et quelques petits soins qui passent quand même pas mal les deux affronts. Les deux affronts plus 1350 points de vie. Ça passe bien. Voilà, en tout cas c'était un combat plutôt sympa. Moi j'espère que ça vous a plu. C'est surtout le principe de base. Après, une fois qu'on a tué un perso, c'est juste un peu la finition. Il n'y a plus de technique vraiment. C'est juste jouer le perso comme d'hab avec les autres. De toute façon, à 3 contre 2, c'est vraiment très chaud de gagner. Je veux dire, le camp des deux. Voilà, bon, ça va faire un peu durer parce que c'est un Cry et un SRAM qui est invisible, mais bon, ça devrait aller. Il y a quand même un stuff, je crois, c'est pas trop mal, le Blue Diamond aussi. C'est qu'on a plutôt une bonne compo en général. Ça, c'est plutôt bien. Alors, œil de taupe,
Ça me dérange pas trop de perdre de la PO en général avec les portails, on arrive à se rapprocher sans trop de problèmes. Ah oui, ici. Je crois qu'il redirige mal le portail, je vais faire ma part. Mais il redirige pas dans le bon sens. S'il prend le portail devant lui, il arrive juste à côté de moi. Oula, qu'est-ce qu'il fout? À mon avis, il aurait pas dû faire ça. Il aurait plutôt dû essayer de bond dans l'autre. Ça, c'était un peu plus compliqué. Pas très pratique. Non, pas trop mal, un boomerang perfide terre qui passe bien. Vraiment, j'ai envie de tester les autres classes. Je pense que je vais plus vraiment jouer sur l'officiel. Désolé, personne de mon serveur, mais l'officiel, c'est pas très intéressant parce que pour l'instant, ce que j'aime dans Dofus, je suis un peu dépassé au niveau des forges magie des équipements, gagner des gammas et tout. C'est un peu chiant, je trouve, des fois. Donc, oh, il va me mettre assez cher déjà, je crois. Ah non, ça, pas trop cher, j'ai quand même 30%. Oh, il a cru qu'il pouvait attaquer à travers avec un cac. Pas bon. Comme je disais, je vais pas trop jouer sur l'officiel, j'ai un peu la flemme, parce qu'à chaque fois, si on veut changer de stuff, on doit tout se racheter un stuff, ça c'est impossible. C'est plutôt compliqué de manière générale dès qu'on veut faire quelque chose. Donc, si on veut changer de classe également, on peut pas. Oui, on peut plus. Enfin, je sais pas, je vois plus tant d'intérêt avec ça, avec l'officiel, parce que sur la bêta, on a un peu tout ce qu'on veut. Si on veut des nouveaux équipements, on les a facilement. Il suffit juste d'aller en hôtel de vente, on en trouve des déjà forges magiques très bons jets, souvent. Enfin, des bons items forges magiques, déjà. On n'a pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Donc je vois plus trop l'intérêt d'aller sur l'officiel. C'est vrai que ça peut peut-être être plus sympa d'avoir une guilde et tout, ce qui est un peu difficile sur la bêta, j'en conviens. Sauf que là, moi, je joue surtout pour le PVP dans Dofus. Les amis, je peux également en avoir sur la bêta. C'est vrai que ce ne sera pas forcément les mêmes que sur l'offi, c'est un peu moins sympa, certes. Des fois, il n'y a pas le concept de guilde et tout qui est vraiment présent et tout. Mais au moins, on peut trouver les gens de n'importe quel serveur facilement. Il y a beaucoup plus de gens pour faire du PVP, du colis. C'est pas les mêmes personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément le même niveau, c'est pas la même chose. Mais il y a beaucoup plus de variété sur la bêta en fin de compte. Donc je pense pas que je vais revenir sur l'officiel. En tout cas, c'est pas prévu dans mes plans actuellement. Peut-être encore plus tard, mais là, c'est pas prévu. Alors ici on approche déjà bientôt de la fin du combat. Il reste encore le Kra et le SRAM à tuer. Alors voici le Kra et maintenant le SRAM. Bon ici il n'y a plus grand chose à faire. Je pense que le SRAM il peut même pas m'attaquer. Non il peut. Enfin il peut pas m'attaquer à travers un portail. Donc ils seront plutôt morts. Ça aurait été un colis assez sympa. Je veux dire qu'en face, ils n'avaient pas une team nulle. Franchement, ils avaient des. Ils avaient plutôt des bons stuff. Ils ont peut-être fait quelques fautes justement. Réussissant pas à enlever les K-flips de la zone portail, enfin de la portée de la coco du Yop, mais ça aurait pas été facile franchement de le pousser. Je pense qu'il aurait fallu jouer avec un piège répulsif. Il y aurait eu une possibilité comme ça, en posant un piège répulsif au bon endroit, ça aurait pu éventuellement être possible. Piège mortel, piège répulsif, ce genre de choses. Juste à son cac, ce qui m'empêche de poser un portail sur la zone, exactement. Donc ça veut dire que dès que je vais poser un portail, ça m'est indisponible. Et en plus, si on veut replacer la personne bien, ça va pas non plus être facile. À cause des pièges, je précise. Alors ici, je crois que je vais. Non, je crois pas que je puisse poser un portail. Parce qu'il me semble que c'est le portail 1 là-bas en haut. Ah non, c'est bon, je peux. Alors je crois que je vais le tuer ce tour-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être du PVP 1v1. Toujours sur la bêta, hein. PVP 1v1 ou encore du colis. En attendant, c'était Esprit Malenko, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire, etc.